Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Ce dossier spécial est le quatrième et dernier volet de la série consacrée au Nouvel Ordre Mondial version 2 et la remise en question des a priori et des idées préconçues. Gardons à l'esprit que le Nouvel Ordre Mondial version 2 est une structure construite par un consortium bipartite d'alliés extraterrestres et terriens, et l'agenda 2030 est la feuille de route et les objectifs à mettre en place qui est transférée aux terriens grâce à certains organismes terrestres souvent secrets de manière directe et détraitée. Les deux organisations les plus connues qui servent de passerelle entre les extraterrestres et les terriens sont les francs-maçons et les Illuminati qui forment leurs adhérents aux exigences extraterrestres grâce à leurs enseignements et après formation, les candidats sélectionnés rigoureusement, comme vous l'avez vu en franc-maçonnerie, sont mis à des postes clés pour faire avancer la société terrienne. Mais me direz-vous, pourquoi le consortium qui gère la Terre et les humanités terrestres et qui est supposé être en tout point beaucoup plus avancé que les terriens n'intervient-il pas directement lui-même? Ce serait une solution directe et efficace qui s'appuierait sur la création et l'intervention d'un réseau social intra-galactique composé des extraterrestres vivant déjà sur Terre ou en orbite proche de la Terre et qui consentirait à contrôler les ressorts du pouvoir sur Terre. Ce réseau intragalactique aurait des moyens techniques puissants de coercition qu'il pourrait mettre en œuvre de manière professionnelle, surtout par les extraterrestres installés sur Terre qui ressemblent à des terriens et qui pourraient par la même occasion se présenter au public en apportant les preuves de leur existence et de leur identité. Et leur reconnaissance par le public ainsi que leur technologie suffirait amplement à mettre fin à la carrière des dirigeants politiques des nations les plus puissantes et à s'emparer du pouvoir de décision. Les nations plus petites n'opposeraient pas la moindre résistance, car les extraterrestres disposent de moyens expéditifs pour juguler toute résistance sans provoquer la mort des opposants. Les extraterrestres, même s'ils ne se montrent pas, sont-ils inactifs? Nous laissent-ils vraiment croupir dans le chaos actuel, sans intervenir ou sans agir? Lorsque j'ai posé cette question à toutes les factions d'extraterrestres avec lesquelles j'ai été en contact, frontal et audio, depuis 2016, les Alpha Draconiens, les Draconiens, les Andromédiens, les Humites, les Pléiadiens et d'autres factions composant le consortium bipartite extraterrestre et terrestre, voici ce qu'ils m'ont répondu. Commençons tout d'abord par les Humites du système solaire Wolf 424 dans la constellation de la Vierge. Les Humites ou Humains disent que s'ils avaient le pouvoir direct, ils procéderaient dans un premier temps à la réunification des différentes nations en une seule entité mondiale et planétaire. Pendant le temps que durerait le processus de réorganisation totale et profonde du pouvoir ainsi que de toutes les structures terrestres, une cellule composée d'extraterrestres vivant sur Terre serait régie depuis leur intelligence artificielle planétaire centrale. Point 1. L'ensemble des sous-organes directeurs
se réorganiserait, point 2, au sein d'une infrastructure organisationnelle que les extraterrestres imposeraient, et point 5, qui serait un modèle de type scientifique, logique, développé spécialement pour les humanités terrestres. Point 2. Cette infrastructure serait dirigée par point 3, des terriens et des terriennes, sélectionnés selon point 5, leur mode de pensée qui se voudrait unificateur et tétravalent, ainsi qu'un ensemble de hautes valeurs morales et fondamentales. Point 6. Ces terriens suivraient au préalable une formation accélérée dans des centres conçus par les extraterrestres, mais cela nécessiterait que dans une première étape de reconversion, point 4, beaucoup des gouvernements actuels restent en place sous les ordres très sévères du consortium et du gouvernement extraterrestre central. Mais n'est-ce pas précisément ce qui est organisé au Forum économique mondial? N'est-ce pas un ensemble de formations organisées sous forme de conférences? Formations qui sont ensuite relayées à la jeunesse de toutes les nations, en tête du mouvement, le président Xi Jinping chinois appelle les jeunes de tous les pays à promouvoir les valeurs humaines communes et à faciliter la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. C'est déjà également une réorganisation des réseaux neuronaux humains et du mental des différents participants, ainsi que la mise en place des 17 objectifs que nous avons vus précédemment. Une formation est nécessaire, souligne le consortium extraterrestre, car la grande majorité des terriens, quel que soit leur pouvoir et leur statut social, politique ou religieux, est, selon ce qu'ils ont remarqué, littéralement endoctrinés par les systèmes éducatifs terrestres qu'ils ne remettent jamais en question. Les médias d'information, tout autant que les réseaux sociaux, achèvent ce processus qui finit par fragiliser le discernement critique des jeunes générations pour les conformer aux idéologies erronées des instances politiques, économiques et religieuses. Tous ces programmes éducatifs et d'information conditionnent lentement l'individu à agir de façon prévisible en réponse à des stimuli, remettant en cause leur sens d'eux-mêmes, leur sentiment de sécurité, leurs convictions intimes et intuitives. De plus, l'existence de différences parfois fondamentales entre les idéologies des différentes nations sur Terre entraîne inévitablement des tensions xénophobes entre les individus dues à leur seule incapacité d'accepter leurs différences et de moduler ou de maîtriser leurs émotions et leurs comportements. L'argent, la religion et l'orgueil nationaliste sont sans conteste les principaux ressorts qui sont utilisés pour conditionner et manipuler les humanités terrestres. Cette première réorganisation mondiale serait immédiatement suivie par l'apparition de nombreux foyers de résistance, de sabotage et d'hystérie nationaliste et religieuse, précisément à cause de ce que je viens de dire, les idéologies, les idées préconçues, le théocentrisme avec Dieu et ses ministres au centre de l'univers, ou l'androcentrisme misogyne et patriarcal. Cette résistance
existe déjà actuellement par des gens qui développent une radicalisation et une discrimination contre le nouvel ordre mondial, les groupes secrets ou certaines factions d'extraterrestres, notamment les reptiliens. Mais en réalité, et selon ma propre expérience avec eux, mais aussi grâce à Zen, mon contact principal, ces derniers ont une gamme mentale et comportementale similaire à celle des terriens, allant du négatif au positif et tout ce qui se trouve entre les deux. Et il est non seulement déplacé, mais totalement inapproprié de catégoriser toute la race dans son ensemble comme négative ou régressive. Ceux auxquels j'ai eu affaire sont hautement spirituels et inspirants, et c'est ce qu'ils font passer à leurs représentants terriens, les Homo Stellaris d'origine reptilienne, en mission sur Terre, et c'est ce que ces derniers font également passer au grand public. Après les Humites, voyons maintenant ce qu'en pensent les Pléiadiens. Il y a 9 systèmes solaires dans l'amas des Pléiades, M45, et en tout 35 planètes. Les Tégètes, qui en font partie et qui sont vénérés comme des dieux, ont relayé certaines instructions. Ils ont commencé en 1936 avec Maria Orsic et la rencontre d'Hitler avec un extraterrestre, puis en 1954 avec Rachel de Temer et son contact frontal avec le président Eisenhower, rencontre que j'ai rapportée dans mon livre « Premier contact », article 21, et dont je parle également dans la vidéo numéro 40. Puis en 1975, il y a 47 ans, grâce à Billy Mayer, Zen, mon principal contact, faisait partie de la délégation pléiadienne. La délégation était composée de 9 extraterrestres, car lorsque les femmes se rendent sur Terre, les hommes les accompagnent pour les protéger. En 2016, lors de mes contacts frontaux directs et en audio avec Zen, dont voici un portrait sur la gauche et moi sur la droite, il a partagé ces informations avec moi. Je vous les transmets, mais comme d'habitude, je vous propose une vision beaucoup plus large et une analyse comparative entre le message aux humanités terrestres qui était sculpté sur les pierres de Georgia et celui des Pléiadiens, tout simplement pour vous montrer combien les exigences terrestres et extraterrestres sont similaires. Je parle de ces pierres au passé, car elles ont été détruites le 6 juillet 2022 vers 4h du matin par un individu qui a utilisé des explosifs pour les réduire en miettes. Mais vous allez voir que ce message franc-maçonnique et l'esprit dans lequel il a été rédigé sont similaires aux conseils que les Pléiadiens avaient donnés en 1954 à Dwight Eisenhower et en 1975 à Billy Mayer, ainsi qu'à moi depuis 2016. Et vous le comprendrez certainement, ils correspondent aussi aux 17 objectifs de l'Agenda 2030 et du Nouvel Ordre Mondial version 2. Mais nous verrons ce point dans une autre vidéo. Point 1. À gauche, les francs-maçons recommandent de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature, et à droite, les Pléiadiens de leur côté demandent la réduction immédiate de la population terrestre humaine qui doit être limitée à 529 millions et qui représente selon eux une population terrienne normale. Vous voyez donc que les deux chiffres sont identiques, à peu près identiques. Point 2.
à gauche les francs-maçons, souligne qu'il faut guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité, et à droite, les Pléiadiens demandent la même chose, l'arrêt et la régulation des naissances à l'échelle mondiale, l'arrêt de la fabrication et de la consommation de stupéfiants, de drogues, de produits chimiques et de poisons nuisibles à la nature pour avoir une meilleure santé. Point 3. À gauche, les francs-maçons préconisent d'unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale, et à droite, les Pléiadiens, comme absolument toutes les races extraterrestres, enseignent et promeuvent la télépathie naturelle et ou artificielle. Point 4. À gauche, les francs-maçons conseillent de traiter de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. Et à droite, les Pléiadiens et toutes les races extraterrestres soulignent que tout a son origine dans ce qu'ils appellent la source, donc une seule croyance ou religion planétaire. Point 5. À gauche, les francs-maçons demandent la protection des personnes et des nations avec des lois et des tribunaux équitables, et à droite, les Pléiadiens vont dans le même sens en réclamant l'élimination de la fausse politique ou corrompue et la création d'un gouvernement global unitaire et démocratique, sans aucun doute le même que celui des Humites et celui du Nouvel Ordre Mondial. Point 6. À gauche, les francs-maçons soulignent qu'il faut laisser toutes les nations gérer leurs affaires intérieures et régler les dissensions externes devant un tribunal mondial. Ce point rejoint le précédent. Et à droite, les Pléiadiens encouragent la mise en œuvre, à l'échelle mondiale, des réparations de tous les dommages occasionnés au sol, aux forêts, aux prés, à l'eau, à l'atmosphère, aux plantes, aux hommes, aux animaux et aux micro-organismes. On parle ici bien entendu de la taxe carbone et de toutes les formes terrestres de réparation. Point 7. À gauche, les francs-maçons spécifient qu'il faut éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Et à droite, les Pléiadiens crient haut et fort la dissolution des blocs militaires, des services secrets, le maintien de l'ordre et de la sécurité unissant et protégeant les peuples, la dissolution et l'interdiction de tous les agissements guerriers et insurrections des peuples, l'élimination de la torture et de la peine de mort. Point 8. À gauche, les francs-maçons recommandent d'équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux, et à droite, les Pléiadiens soulignent qu'il est nécessaire d'avoir recours à la formation, l'apprentissage et la mise en œuvre du mode de vie en conformité à la création et de cette manière aussi qui soit digne de l'humain. Point 9. À gauche, les francs-maçons ne pourraient vivre sans faire primer dans leur vie la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Et à droite, les Pléiadiens qui pratiquent 2 heures de méditation quotidiennement, même les hautes instances, ont toujours promu la méditation, la spiritualité et les valeurs fondamentales de l'humanité, équité, bienveillance, sagesse, savoir, logique et mathématique, illumination. Et point 10. À gauche, les francs-maçons mettent en avant
qu'il ne faut pas que les terriens soient les cancers de la planète, mais qu'il faut laisser une place à la nature. Et à droite, les Pléiadiens ont de tout temps promu l'arrêt de tous les essais nucléaires et le démantèlement de toutes les centrales nucléaires déjà construites, puisque c'était déjà dans la requête de l'amiral Rachel de Temer au président Dwight Eisenhower en 1954. Tous les systèmes pléiadiens de M45 et leurs habitants vivent sur des systèmes de planètes complètement sauvages, propres, avec de l'eau et de l'air pur, et ils demandent l'élimination des nuisances sur Terre selon leurs causes et leurs effets. C'est, disent-ils, une nécessité irrévocable et une exigence impérieuse. Les Pléiadiens ont eux-mêmes conseillé de mettre en œuvre d'importantes mesures pour mettre fin à la destruction de la Terre, un arrêt immédiat de toutes les exploitations abusives de la Terre, comme le déboisement excessif ou la désertification. Vous pouvez donc constater par vous-même que les structures proposées par les humites, les pléiadiens, les francs-maçons et d'autres races extraterrestres sont étrangement quasi identiques et vont toutes dans le même sens, notamment la création d'un nouveau gouvernement mondial. Nous pourrions dès lors nous poser un bon nombre de questions très sérieuses, notamment nous demander pourquoi les conseils et les agendas sont aussi similaires chez les extraterrestres et chez les terriens. Des questions qui se posent encore plus si l'on prend en compte le dernier crop circle ou agroglyphe qui est apparu le 24 juillet 2022 à Etchehampton Hill en Angleterre et qui fait apparaître les symboles et les outils des francs-maçons, l'octaèdre, l'équerre, le compas, en superposition dénotant l'équilibre entre matière et esprit. À ce qu'il semble, extraterrestres et terriens véhiculent les mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes objectifs dans la construction de la nouvelle société sur Terre et son implémentation. Voilà donc des questions et des thématiques passionnantes que j'aborderai d'ici quelques temps dans une autre série de vidéos. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux.